Ça veut dire quoi, Blotch? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai loupé un truc, là? Lazare est au courant? Je veux dire, t'as une conversation personnelle avec lui sur la question? Et lui, il est de retour, maintenant? Lazare est au courant pour ça, aussi? Chouette bécane. Disons, ça peut monter jusqu'à combien, un engin comme ça? Ouais, on est au salon du deux roues, ici, ou quoi? Ouais, ça va, je pose la question. Tu vois pas que je suis en train de discuter, non? J'aime pas ça, Blotch. Déjà que tu m'appelles au dernier moment, je sais pas, mais... Dis-moi, dans quoi je mets les pieds, là, exactement? Faut que j'appelle Lazare, mais pourquoi c'est pas lui qui m'appelle? Tu prends la responsabilité de ce truc? Qui c'est qui la prend? C'est toi? T'es sûr de ton coup, hein? Les choses ont vraiment changé, Blotch. T'as plus 12 ans, et j'en ai plus 30. Alors j'espère que cette fois-ci, t'es foutrement sûr de ton coup. Ouais, bah j'espère, hein. Parce que si Wagner est la partie, j'espère que Lazare va être vraiment mis au courant. On tourne autour de cette histoire depuis un bon moment et j'aime pas trop l'idée de le mettre tout ça entre ses mains d'un seul coup. Nustrace! Acheka! Lazare Gaibagie! Pas! Alors je peux l'appeler, c'est sûr. Tu peux l'appeler maintenant. Il va confirmer tout ce que tu m'as dit, c'est sûr. Si je peux intervenir, je sais que je suis pas du genre très catholique, mais. Est-ce que j'ai l'air d'un catholique, moi, Wagner? Tu m'as bien regardé? Non, c'est pas ce que je veux te dire. T'énerve pas. Moi, je fais partie de ce truc, d'accord? De cette famille, d'accord? C'est d'une famille dont je te parle, hein? Et je suis pas sûr qu'un type comme toi soit capable de comprendre le concept. Tu crois pas obligé de frapper en dessous de la ceinture. J'ai compris le système. Et dans une famille, il y a un chef de famille, hein? Si tu vois ce que je veux dire. Tu peux comprendre ça aussi? Et quoi, ce type, il a besoin de demander la permission à son papa? Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas bien entendu, là. Pardon, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, là. Les jeunes frics? Moi, pas. Du fric, c'est des gens. Des gens. C'est de la pub. Ce que je te parle, moi, c'est d'une télé grande échelle. Qu'est-ce que tu crois que j'ai à avoir là-dedans? Qu'est-ce que je vais gagner? Hein, je te demande. Écoute, je vais t'expliquer un truc. J'essaie d'avoir une discussion avec Blotch. On essaie d'avoir une conversation, si tu vois ce que je veux dire. C'est moi qui vous ai contacté, moi. Le patron n'a rien à voir là-dedans. Lazare? Lazare a rien à voir là-dedans? Ne me dis pas que j'entends ce que je viens d'entendre. Eh, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je peux parler deux secondes? Je t'écoute. Ça avance, là? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est bon. Je peux te faire confiance sur ce coup-là, Pat. Tu tiens les rênes du truc? Du moment que ce que vous avez là-dedans vaut la peine. Sorti, Blotch, Pat, c'est moi, on part de notre côté. Ferrand et Granger mettent la minute en route et on est bon. Bref, si tout le monde... Mais je te l'ai déjà dit, les chiens seront pas un problème. On a déjà parlé toute la journée. Les chiens seront pas un problème, mon gars. Je vous dis, Ferrand s'est mis le gardien dans la poche, le type est de notre côté. Oui, il est de notre côté. Vous savez, ces chiens, faut pas surestimer. C'est du quoi, 50, 55 cm au garrot? Ça pèse quoi, 35 kg maxi? Ça reste quand même dans la bête de foyer. Les clébards, c'est pas la question. La question, c'est d'accéder aux émetteurs. Mais on s'en fout des clébards. Un Rottweiler, oui. Un Rottweiler, c'est différent. Moi, ma sœur a un Rott. C'est de la femelle à 66 au garrot. Je peux vous dire que là, t'as pas intérêt à te faire choper les mollets. Une pression de 1200 kg à la mâchoire. Là, c'est pas la même bête. Mais c'est pas la question, je te dis qu'on s'en fout des clébards. Ouais, non, je sais. Ah non, mais la question, c'est de leur mettre plein le cul, putain. Plein JT de 20h. Et là, on va leur balancer votre matos, hein. Et là, ils en auront plein le cul, les mecs. Putain de facho à la con, là.
Là, alors, full HD, Dolby Stereo, ouais, tout ce que tu veux, là. Ça, c'est à la condition que vous ayez fait du bon boulot de votre côté. Hein. À la fois assuré de votre côté. Tourner un truc qui a de la gueule. Parce que nous, on s'en fout. Nous, on met seulement la cassette dans le magnéto. Et puis, du moment qu'on leur casse les couilles. Sauf que là, c'est un DVD. Oui, mais DVD, DVD, DV, HD, enfin, tout le baratin, là, c'est tout pareil. Ils font chier avec leur nom, hein, con, là. Hein. Ils se foutent vraiment de notre gueule, là. Les fachos, là, con, hein. Parce que c'est tout pareil, c'est des conneries, ça. J'ai du business, ah oui. Bah, tiens. Alors on met plein le cul à ces enculés. Après, c'est une question d'impédance d'antenne et de répartiteur. Si tu as un distributeur passif, tu peux avoir une diminution du signal. Ça veut dire que le piratage fonctionnera que sur une partie des récepteurs. Mais si tu tapes dans le distributeur actif, il n'y a aucun problème en général. Écoutez, monsieur Patch, pas compliqué, hein. Ça fait 30 ans que je suis dans la boîte. Ils ont jamais eu meilleur technicien que Ferrand et moi sur la diffuse. C'est con. Ils ont été foutus d'aller fourrer un bon million d'euros dans un décor plateau que t'aurais construit ça avec trois bouts de carton. Et trois semaines après, ils virent leurs deux meilleurs technos. Restructuration de personnel, va comprendre. TDF. C'est les diffusions de mes fesses, oui. Et c'est pas la première fois que je vois des mecs qui font un piratage pour faire passer leur gourou au JT. Ça, c'est pas le problème, ça. Ouais, bref, je vous rappelle que le rendez-vous est fixé à 4h30 précise. 4h30 précise ici, dans cette salle, demain matin. Donc, réglez vos réveils et... Oui, mais on en a déjà parlé. Je t'ai dit que les chiens seraient pas un problème. On en parlait tout à l'heure. Mais non, on en a déjà parlé. Facho à la con, putain. Mais oui, oui, des fachos, comme je dis. Des fachos. Exactement. Facho. Les chiens seront pas un problème. Allez, on va accepter ça au bon vieux temps, à la bonne vieille équipe. Allez les gars, brouillez-toi, batringue, Wagner, oh. Bon vieux temps. Allez, au bon vieux temps, les gars. Et à la vieille équipe. Oh, ben là, je pense qu'on a réussi à détourner l'attention, il me semble. Ah, ben ouais. Je crois que sur ce coup-là... Nous, je sais pas, mais... Et je crois qu'on peut dire, en tout cas, que Blutch a sacrément réussi à détourner l'attention. Mais je l'avais dit. Quoi? J'avais dit que les chiens seraient pas un problème. Non, mais je l'avais dit. Non, mais quand même, je l'avais dit. Enfin, je déteste le champagne, je sais pas pourquoi j'en bois, mais... Moi non plus, j'aime pas, mais c'était histoire de... T'as raison, tiens, fait-on ça. Allez. Mais on s'en fout, on en a rien à péter. Mais Blutch a pensé à tout, regarde. Ah ben, c'est autre chose que du champagne, ça. Non, mais sans blague, Blutch. Lazare a vraiment donné son accord pour ce coup-là? Blutch, sans blague, comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a relancé ou Wagner? Téléphone au patron pendant qu'il est en train de regarder la télé et tu verras si t'as pas son accord. Merde, vous faites chier, les gars. Il n'y en a pas un seul pour me donner une réponse claire, pour une fois. Non, mais Blutch a assuré comme une bête sur le coup. Il a été le cerveau de l'opération. Ça, il faut pas l'oublier. Bon, bah, j'imagine, hein. Allez, oh, à Blutch et au bon vieux temps. Au bon vieux temps, les gars. Mais allez, au bon vieux temps. Tu t'es un peu sali, là, mon gars. Hein. C'est un concept que les gens pigent pas. Les gens pigent pas le concept. Le monde est une putain de page blanche, mec. Bon, ça, c'est sûr. Hein. Attends, tu laisses ces connards mettre la main dessus. Ils mettront la main dessus, tu peux me croire. Ils mettront la main dessus et puis t'inquiète pas, ils te lâcheront rien. Hein. Ah bah, ils te laisseront rien, ça, c'est... Tu peux être certain de ça. Hein. Ouais, passé un temps, les gens se posaient pas la question. Mais maintenant, il te faut 30 autorisations pour aller poser ton cul quelque part. Bah, c'est sûr que, bon, on est à l'ère de la législation. On peut dire ça, hein? Non? Mais ta gueule, Ferrand, merde, c'est pas une question de légiférer, je sais pas quoi. C'est l'heure du gros balai dans ton cul. Et dans le cul de tout le monde, et voilà, après c'est tout. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon... Non, mais attendez, c'est surtout l'heure d'aller allumer la télé, là. Ah. Allez, Blutch, oh, on s'installe. Hein? L'homme de la situation. Ben Ferrand, allume un peu la grosse, tu veux. Attends, c'est un vrai dinosaure, celle-là.
Là, 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 là devant le gros bouton. Le gros bouton, là, sur la droite. Ah oui. C'est du vieux modèle, ça. Hein. Ça, ça, c'est des téléviseurs, ça te fait 20 ans sans ronchonner. Hein. Marc, il vaut quand même mieux qu'elle tombe pas en panne. Bah, elle est plus que 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. You better run. You better run. Yes, you better run. To the city of the red. You better run. You better run. Yes, you better run to the city of the red. Yes, you better run. You better run. Yes, you better run to the city of the red. Yes, you better run. You better run. You better run to the city of the red. Yes, you stand for your maker in a state of shame. 'Cause your robes are covered in a mud. When you kneel at the feet. On formait une sacrée équipe. On formait une sacrée équipe. Ceux qui savent, savent ce que nous devons tous au gosse que tu étais. Ouais. Tu pouvais pas savoir, mais du haut de tes 12 ans, tu nous emmenais plus loin. Il aime ça foutre la merde, hein. C'est son truc. C'est ce qu'il aime. C'était déjà son truc à l'époque. Toujours un peu à pile ou face avec lui. Reformer la vie. 4, 3, 2, 1. Yes, you better run to the city of the red. Yes, and you better run. You better run.